Voilà, maintenant. Africain. Aïe. Voilà. Tu es là? Non, mais ça marche pas. Attendez. Hop. Ok. Elle arrive à ma carte. J'ai encore la batterie. C'est bon. Ouais. Tu es là. J'étais en Donc. train de parler, voilà, du septième aliment. Je parlais de l'huile de palme rouge. J'espère qu'il y en a qui nous rejoignent encore. Revenez, revenez. Allez, la famille, il faut Ils revenir. arrivent, ils arrivent. Et partager. Donc, je parlais de cette huile-là. Je disais qu'il fallait rentrer dans un équilibre. Je disais que je parlais de la philosophie des anciens de chez nous qui parlaient de tiers inclus. Je disais que la pire des graisses, la pire des graisses, c'est les acides gras trans. Acides gras trans, répétez avec moi, les acides gras trans. C'est-à-dire Acide que il y a trans. double liaison comme ça et le reste, c'est dans le même côté, acides gras trans. Il y a des gens qui sont végétariens ou végétaliens qui mangent la margarine à longueur de journée. Or, la margarine contient des acides gras trans industriels qui sont très nocifs pour la santé. Oui. Maladie cardiovasculaire, cancer du sein, c'est connu, c'est acté. C'est connu, c'est acté. Alors que oui, l'huile de palme rouge, oui, il y a des acides gras saturés, mais il y a aussi des acides gras, un acide gras d'oméga 9. Il y a les deux, d'accord? Et il y a surtout de la vitamine B, je vous ai dit le La vitamine bêta-carotène, la vitamine E. E, qui sont des puissants antioxydants, protecteurs du corps. Bien sûr, il ne faut pas en abuser. Bien C'est sûr, on n'en ça. abuse pas. Une cuillère à soupe à 2 cuillères à soupe par jour. Une à deux. Alors, pendant que nous, on est en train de tergiverser là-dessus, les Américains, ils sont en train d'en prendre. Il faut savoir que Franchement. dans le continent, ce sont des petits producteurs. En Asie, donc en Asie, d'accord, c'est là il y a la plus grosse production. Et le problème, c'est quoi? C'est le raffinage. C'est le raffinage, la culture intensive qui est problématique. Raffinage et la culture intensive. La culture intensive, elle se voit partout. Elle existe en France, elle existe aux États-Unis, elle existe en Europe, elle Mais existe partout. c'est ce qu'on disait. Seulement indexer l'huile de palme. L'huile d'olive, vous la prenez, vous cuisez trop l'huile d'olive, vous avez un acide gras trans qui s'appelle l'acide ellaïdique. L'acide ellaïdique qui est trans. Donc, l'équilibre, ce n'est pas que ça, ça et ça. C'est Et le vrai. tiers inclus, c'est comme ça que les anciens disaient, le tiers inclus. Voilà. Le pire des gras, ce sont les acides gras trans industriels. Il y a des acides gras trans qui sont naturels chez les ruminants, ça veut pas dire chez la viande, donc la viande, ça veut pas dire qu'il faut en abuser non plus. C'est ça. Tout est une Voilà. question d'équilibre, comme tu l'as dit dès le début. Exactement. Voilà, pour terminer, je donnais tous les aliments. Pour terminer, je dirais l'importance aussi. Oui, Dame Berthe, je suis d'accord avec toi. Tout ce qui vient d'Afrique est souvent indexé. C'est ce que je disais au début du live. Je disais ça au début. C'est que c'est à nous, hein, maintenant d'aimer ce continent et de voir ce qui est positif. Exactement, La c'est ça. positivité, elle viendra par nous, par nos pensées. Parce que les anciens disaient quoi? Que la pensée, c'est une onde. La pensée, c'est une onde. Et la pensée, c'est une énergie. C'est ça. D'accord? Et nous pensons négativement. Il est normal que après les autres pensent négativement parce que nous participons au concert de la négativité. Amen. D'accord? À un C'est moment ça. donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités et qu'on pense positivement. Oui, nous avons des problèmes. Oui, nous avons des soucis. Oui, qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de problème? Est-ce que vous allez attendre que votre continent soit au top, tout au top, pour l'aimer? Vous allez attendre que tout le monde soit au top pour l'aimer? Il sera trop tard, trop tard, trop tard pour vous. J'ai vu des malades, mourir des malades. Hein? Ceux qui se prenaient en main, ceux qui avaient cet état d'esprit-là, On va c'est ceux voter qui s'en sortaient. Voilà, Amaka. c'est ceux qui s'en sortaient. C'est-à-dire que c'est moi, c'est un choix que j'ai fait.
C'est un choix de vie que j'ai fait. On parle de beaucoup de la femme noire. On parle de se guérir. On parle qu'il faut guérir son utérus. On parle qu'il faut... Mais c'est par nous-mêmes. Qui va le faire à notre place? Nos anciens sont déjà assez morts pour nous. Et ils vont attendre qu'on en tue encore d'autres pour s'aimer. On va attendre quoi? On va attendre qu'on tue encore d'autres personnes? Est-ce que vous pensez là, pas? On bouge. Il y a déjà assez morts comme ça pour... qu'on puisse rester et vivre aussi aujourd'hui. Est-ce que vous pensez pas ça? Mettez dans les commentaires ce que vous en pensez. On va pas toujours accuser les autres, on va dire qu'à un moment donné, qu'on prenne nos responsabilités pour changer. Parce que les anciens sont morts pour qu'on puisse être là, pour qu'on puisse parler. Et tant qu'on ne leur rendra pas cet hommage-là, nos vies, nous en tant que femmes, nous préparons la nourriture, nous achetons, nous faisons souvent plus nous les courses, nous donnons à manger à nos enfants. Si on parle de quête de sens, si on voit l'aliment afro comme du n'importe quoi, pourquoi voulez-vous que votre enfant le mange? Pourquoi voulez-vous que les autres mangent bien? Pourquoi on va attendre quand même, on est toutes nées ici, on vit, et on a des salaires, on a des trucs, on a notre niveau de vie. Pourquoi vous voulez l'approbation des autres pour manger du manioc ou bien pour manger de l'huile de palme rouge? Pourquoi? Pourquoi? Il faut qu'à un moment donné, on se remette en cause. Les gens sont sûr, voilà, donc c'était mon coup. Mais moi, je suis très contente parce que j'ai l'impression que ça a commencé. Et puis, ça a commencé, tout ce dont tu parles. Et j'ai vu ça tout le long du confinement. Enfin, il y a beaucoup de directs, machin. J'ai découvert beaucoup de comptes des frères et sœurs africaines. Et j'en suis très ravie parce qu'ils ont tous le même discours que toi, que nous, que les filles qui sont en train de commenter. Donc, c'est bien. C'est dans le bon sens. C'est sur le bon chemin. Il faut juste pas lâcher. Donc maintenant pour un autre aliment dont on n'a pas parlé, on va essayer de finir là-dessus. Un autre aliment on n'a pas parlé de l'eau. Voilà, de l'eau, de l'eau. Donc quelle eau choisir quoi? La connaissance que j'ai, hein, parce que je connais pas tout, hein, on est dans un partage de connaissances. Voilà, ce que j'ai vu que par rapport à mes recherches, c'est que le problème du sportif, c'est l'acide lactique. L'acide lactique et l'acidose. L'acide lactique, c'est-à-dire que tu cours et ton corps prend le sucre, mais tu n'as pas amené assez de, enfin, plus ou moins d'oxygène. Donc, il fait ce qu'on appelle plus ou moins un déchet qui s'appelle l'acide lactique. Tu comprends? C'est ça, oui. Ah, l'acide lactique, on en entend parler. Hein. Et face donc à cette acidité-là, il ne peut pas se contracter. Il se contracte comme ça, mais il ne peut pas se décontracter, se contracter correctement. Est-ce que qui peut créer des crampes? Exactement. Pour pouvoir éliminer cet acide lactique-là, likez, merci, partagez. Éliminer cet acide-là, il faut de l'eau. Il faut une bonne hydratation. Une bonne hydratation. Voilà. Et en plus de ça, vous perdez des minéraux par la transpiration. Ces mêmes minéraux-là qui pouvaient tamponner l'acidité. Donc, il faut absolument bien boire pendant l'activité sportive ou voire après. Alors, certains conseillent au moins pour les sportifs 2 millilitres par 15 minutes par kilo de poids. Ça veut dire que si tu fais 70 kilos, en fait, tu dois tous les 15 minutes, tu dois boire 140 millilitres. Ça correspond à 280 millilitres par heure. Donc, ça vous prend un peu plus d'un verre d'eau, par heure. Ouais. Tu vois, il faut avoir conscience de ça parce que c'est le rein qui élimine à 85% l'acide lactique. Ok. Voilà. N'oubliez pas aussi les aliments riches en minéraux parce que vous perdez les minéraux par la transpiration. Donc le magnésium, le calcium. Le sel là qui après la course. Voilà. Moi j'en ai beaucoup. Je transpire beaucoup. Voilà. Donc n'oubliez pas que il y a l'hydratation, mais il y a aussi l'hydratation avec des minéraux qui vont pouvoir être remplacés par rapport à la transpiration. Voilà, je sais pas. Et quelle eau, il faut prendre une eau riche en minéraux alors. Comment? Tu as une idée d'une eau riche en minéraux qu'il faut prendre? Alors, principalement, en fait, d'après ce que j'ai mes recherches, c'est que en fait, il faut prendre une eau qui soit, les résidus à sec doivent être inférieurs à 200 mg par litre. Ok. C'est quand tu tournes la bouteille, tu vois les résidus à sec. Oui. Voilà, moins de 200 mg. Des fois, c'est très petit, j'ai une bouteille. Là. Voilà. Et le pH entre 7 et 8. Teneur totale en sel minéraux, résidus. Bon. Non, en bas, résidus à sec. Plus bas. Normalement, c'est marqué. Hein. Oui. Résidus à sec
en dessous de 200 mg et un pH entre 7 à 8, je crois que la volvic rentre dedans, ou bien l'eau d'Auvergne aussi qui rentre dedans. L'eau d'Auvergne, tu vois. Les minéraux, en fait, ils vont être que tu vas prendre par l'eau, ils vont être en compétition avec ce que tu manges, les minéraux que tu manges, et ce que les cellules font pour gérer leurs minéraux. Donc, il y en a peu qui sont absorbés par l'eau. Des fois, okay. Il faut les apporter, soit dans l'eau, soit par l'alimentation. Dans l'alimentation. Ou soit une complémentation, mais là, il faut se faire suivre. Oui. Okay. Voilà. Il ne faut pas en prendre comme ça, comme on a dit tout à l'heure, refaire sa petite popote, voilà. Sa petite mélange. Voilà, voilà. Donc, voilà. Donc, tout à l'heure aussi, j'ai parlé de c'est très important aussi de l'équilibre oméga-3, oméga-6. Il y a certaines personnes qui se sont rendues compte que les oméga-3, voilà, quelqu'un qui a posé une question en disant, oui, comment on va faire pour faire l'équilibre. Il faut déjà commencer à diminuer, il faut diminuer les apports en oméga-6, l'huile de maïs, l'huile de tournesol, l'huile de soja, certaines viandes, etc. Limiter les apports en oméga-6 et augmenter les apports en oméga-3. Ce sont les poissons gras. La sardine, c'est ça. Voilà. Il faut en manger au moins minimum. Minimum du minimum, c'est 3 fois par semaine. Même 70 à 100 grammes, 3 fois par semaine, c'est le minimum. Surtout ceux qui font de l'endurance, c'est très, très important. Parce que ces oméga-3-là, ce sont responsables de la fluidité des membranes cellulaires. Tu vois, la fluidité. Tu vois? Et donc, pour les capacités de transport du gras, c'est mieux. Tu vois? Oui, quand on fait des sports d'endurance. Okay. Voilà, c'est très important. On ne mange pas assez d'oméga-3, donc les poissons gras. C'est vrai, ça, on n'en mange pas beaucoup. C'est problématique pour l'inflammation. Pour ceux qui sont végans, ça va être du phytoplancton. Du phytoplancton. Mais le phytoplancton, ça va être compliqué à trouver. Ou si vous trouvez, ce sont des compléments qui coûtent très cher. Si vous avez l'argent, ben vous prenez du phytoplancton. Sinon, vous ne pourrez pas. Parce qu'en fait, ce sont les poissons qui mangent le phytoplancton et nous, on les mange. OK. Voilà. Il faut absolument augmenter, absolument. Que vous fassiez de l'endurance, du sport, où vous pouvez perdre le du macro, poids. Le macro, oui, on en a parlé, José. Voilà. Vous voulez perdre du poids, il faut augmenter les apports en oméga-3. Les oméga-3 activent certains récepteurs qui font utiliser le gras. Pour ceux qui font de la sèche aussi, il faut augmenter les oméga-3. Oui, contrairement à ce qu'on leur dit. Une chose aussi que je n'ai pas parlé, qui est important, qu'on m'apprend actuellement, parce que je suis en formation actuellement, on m'apprend, c'est la rééducation à la mastication. Oui. Tu vois? Il faut mâcher 27 fois, c'est ça? Hein? Il faut mâcher combien de fois avant d'avaler? Alors, la question, ce n'est pas seulement combien de fois. Oui. La question, c'est que tu puisses mâcher jusqu'à ce que tu obtiennes une purée que tu peux donner à un bébé. Il faut que tu aies une purée. Si tu as un aliment qui est à la rééducation. C'est une vraie rééducation à faire. Hein. Oui, tout le monde, même moi, je me rééduque parce qu'on a toujours tendance à manger, à machin. C'est-à-dire que si tu ne mâches pas correctement, tout ce qu'on a dit avant, c'est terminé. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. Vous pouvez manger tous les aliments riches que vous voulez, comme vous voulez. Vous pouvez prendre tous les compléments alimentaires que vous voulez. C'est terminé. On s'arrête là. Merci. Au revoir. Ciao. Bye. On ferme la porte. Donc, ils sont dans les lives, tu sais. Hein. Ils prennent cela. Oui, oui. Il y a trois fois. Oui, c'est ça, Séverine. Par contre, c'est pour ça qu'il y a des gens, du coup, qui prennent des compléments alimentaires en poudre. Alors, la question, ce n'est pas ça. C'est que c'est par rapport au laboratoire. C'est par rapport... Le laboratoire, il va faire son complément alimentaire. Bon, par rapport à ce qu'il pense être bon, par rapport à peut-être la meilleure forme biodisponible. Tu vois? C'est ça. Ça peut être en poudre, ça peut être en gélule, ça peut être, tu vois, en forme d'huile, ça peut être... Tu vois? Par exemple, les oméga-3, c'est de l'huile de poisson. Donc, c'est en gélule de... Oui. Tu vois? Ça dépend. Oui. Ça dépend. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas spécialement ça. Voilà. Donc, c'est en fait... La mastication, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anciens, les Africains anciens, ils disaient quoi? Ils appelaient ça le vitalisme. Ils disaient que tout ce qui vit, tout ce qui est là, ce qui vit, même ce qui est inerte, a de l'énergie. D'accord? Oui. Minéral, végétal, animal, humain. On est d'accord. Ça veut dire que quand tu manges
Quand tu manges, il faut que tu aies conscience de ça. Que tu as des éléments doués d'énergie dans ton assiette. Donc, tu dois manger en conscience. Ce n'est pas facile parce que moi aussi, je dois me rééduquer. Tu dois manger en conscience, en pensant aux anciens, comment ils pensaient avant. Tu vois, non? Oui, oui. Tu comprends. Vous comprenez ce que je veux dire. Donc, quand tu penses que tu vas dans une assiette, tu sais que la maman, elle a travaillé là-bas pour faire le fonio. Elle a sorti tous les grains. Elle a travaillé pour faire la tieke. Elle a travaillé sur le manioc. Elle a travaillé le mil. Elle a tourné. Parce que nous, on vient, on se lève. Je parle aussi pour moi. Je ne parle pas que pour vous. Oui, Je parle aussi pour moi. D'accord? On se lève. On va au magasin bio. On prend, on assort. On va là-bas. On prend, on ramasse. Mais tout ce que les gens, ils ont fait pour faire sortir tout ça, là, vous ne pensez jamais. Mmh, donc, quand tu prends le temps avant de manger, de dire que voilà, gratitude, j'ai à manger dans mon assiette. Mmh. Gratitude, c'est de l'eau propre. Aujourd'hui, on parle du coronavirus, mais on ne dit pas de toutes les maladies infectieuses que les Africains ils ont avec l'eau qui n'est pas correctement traitée. Qui n'est pas du tout traitée, tu veux dire? Alors, qui n'est pas correctement traitée, toute la typhoïde et compagnie. Donc, tu as de l'eau propre, tu as un aliment qui a été, voilà, qu'on a tué, que ce soit un minéral, un végétal, parce que l'ancien. C'est comme ça qu'il disait. Il disait c'est vitalité, vitalisme. L'énergie est dedans. Oui. On a coupé le fruit là-bas et tout. On a coupé pour de la terre. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu penses aux anciens, tu vas commencer à manger plus en conscience et en gratitude. Mm-hmm. Là, tu vas commencer à mâcher. Tu vas dire, ah, c'est bon, ah, c'est machin. Tu vas dire, tu vas mâcher. Oui. Tu ne mâches pas tout ce qu'on a dit avant, vous pouvez mettre à la poubelle. Vous pouvez jeter à la poubelle, c'est fini. Si on ne mâche pas, ton estomac n'a pas de dents. L'estomac n'a pas de dents. L'intestin n'a pas de dents. Machin n'a pas de dents. Et puis les dents, ils sont là pour servir à quelque chose. Exactement. Les dents sont là pour servir à mâcher. Mm-hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc voilà. Ce que j'ai dit. Et du coup, pour mâcher. Pour mâcher, je l'ai dit, pour mâcher, c'est, il faut que tu arrives à un stade de purée que tu pourrais donner à un bébé avant d'avaler. OK. Voilà, à peu près. Voilà. Donc, je vais finir le live en disant quoi? En disant voilà. J'ai pas posé ma question. Donc, le live, il n'est pas encore fini. Ah, c'est bon. Merci. Non, mais je disais au moins, je peux au moins dire que j'ai fini ma partie, non? Je peux au moins le dire. Ma partie. J'ai pas dit que là, j'ai fini, mais au moins ma partie. Vas-y. La cinquième partie. Donc, la cinquième partie, la dernière partie de mon côté, je vais dire le live. J'ai fini le live. Voilà. Donc, la cinquième partie, je répète, je repars de la philosophie des anciens qui sont Ça c'est bleu. Voyez ces aliments. Oui, de la bonne énergie que vous allez apporter à votre entité qui est votre corps. Votre corps est là pour vous. Votre corps est un mini-univers. Mm-hmm. Dans l'univers, chaque jour, c'est un miracle. Vous respirez, vous mangez, vous dormez, vous respirez. Vous dormez, il se bat contre des virus, contre des bactéries, contre je ne sais pas quoi. Vous dormez, vous digérez. Vous dormez, vous existez. Vous dormez, vous faites de l'énergie. N'oubliez pas ça. Mm-hmm. N'oubliez pas ça. Ce corps est là. Donnez-lui le meilleur que vous pouvez donner. Même si vous faites des écarts alimentaires, on n'est pas parfait. Ayez cette tête-là. C'est ce que les anciens disaient. Nous sommes doués d'énergie. Tout ce qui nous entoure est doué d'énergie et mérite un minimum de respect. Même si on n'est pas parfait, même si on fait des écarts alimentaires, ça m'arrive encore à moi aussi. Je ne suis pas parfaite comparée à d'autres. Mais soyons au moins dans l'intention de savoir qu'on veut apporter le meilleur. C'est ça. Voyez les aliments africains autrement. Et prenez cette décision en un claquement. De doigts. Voilà, je te laisse pour les questions. Ma question. Alors, j'avais une question. Quand j'ai vu une vidéo à toi, mais tu en as parlé tout à l'heure, le vitalisme. Et tu avais parlé dans la vidéo pour. C'était une vidéo sur la perte de poids. Ouais. Où tu parlais justement de la graisse. Donc, tu décomposais le mot graisse. Graisse. Ouais. C'est ça, gratitude. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Eh ben en fait, c'est en fait par rapport, tu sais, quand j'ai commencé à faire ma carte nutrition, au départ, je voulais m'adresser aux mamans pour qu'elles puissent en fait mieux alimenter leur famille. Je vois, ça marche pas. Après, je me suis adressée aux femmes qui viennent d'accoucher comme moi. Je vois, ça marche pas. En fait, on parlait que de perte de poids. On veut dire que non, on veut que la perte de poids. On veut que la perte de poids, Le souci, c'est que quoi? C'est que, bien sûr, on peut parler de perte de poids, mais on ne parle pas de la personne en avant. On ne parle pas de la personne qui est là, qui n'est pas qu'une perte de poids. Parce que, justement,
Des fois, c'est vrai que la prise de poids peut être liée à une mauvaise alimentation, à une mauvaise santé. Et dans ce cas-là, bien sûr, il faut s'en occuper du déséquilibre. Mais les anciens, ils disaient quoi? Ils disaient que avant d'être le problème avant d'être matériel, il est d'abord immatériel. Je répète, le problème avant d'être matériel, il est d'abord immatériel. Il est pas visible. Ouais. Il est invisible. D'accord? Donc, cette méthode-là, en fait, c'est pour justement arriver à gérer ça. C'est-à-dire que les femmes se lèvent au jour d'aujourd'hui. On se lève, et voilà, on check notre portable, on va s'occuper de nos enfants, on va s'occuper de notre mari, de nos amis, de ce que l'autre a dit, de ce que l'autre a dit. À quel moment on s'occupe de soi? À quel moment on s'occupe de ton corps? Ton corps s'occupe de toi 24/24, soit 365 jours par an, chaque jour. À quel moment tu prends le temps pour lui donner de la bonne énergie, de la bonne nourriture immatérielle et invisible? D'où la création de ce modèle qui s'appelle Grace. Grace, ça veut dire quoi? G, c'est gratitude. R, c'est recueillement. A, c'est affirmation. I, c'est instant. S, c'est souffle. S, c'est seul. Et E, c'est haut. C'est à pratiquer chez soi chaque matin, une routine matinale, parce que tout le monde a des routines de fitness, des routines de déficit calorique, des routines de machin, mais on ne sait même pas donner de l'amour à son corps chaque matin, de donner du moment à son corps chaque matin. Quand tu dis à ton corps merci de tout ce que tu fais, quand tu dis à ton corps tu prends le temps d'être un peu seul 5 minutes pour s'occuper de toi, quand tu dis que tu commences déjà à prendre la première des nourritures qui est de l'eau, quand tu prends le temps de respirer consciemment. Oui, je le fais. Voilà. Quand est-ce? D'où cette méthode Grace? Quand on me dit que la femme africaine ou la femme noire, afrodescendante ou quoi que ce soit, n'est pas faite pour la méthode Grace, je me dis, il y a un problème. Ah. Alors, il y a un problème. Nos anciennes mamans, elles étaient là, elles prenaient le temps pour parler, pour palabrer, pour ceci, pour cela, etc. Donc, voilà pourquoi j'ai créé cette méthode Grace. Ok. Merci beaucoup pour l'explication. Mais moi, voilà. J'ai commencé, je peux témoigner que c'est très, très bien de prendre du temps pour soi. Moi aussi, je ne t'ai pas dit, j'ai 2 enfants et pareil, j'avais pris beaucoup de poids. Mais depuis que j'ai commencé à prendre du temps pour moi le matin, ça change la vie. Ça fait un mois peut-être que je fais ça, je me réveille 30 minutes avant tout le monde. Je bois mon verre d'eau ou deux, je m'assois. Bon, certains disent que c'est la méditation, mais voilà, je m'assois dans le silence ou je lis ou voilà, un moment pour moi. Et je peux t'assurer que ça change tout dans le quotidien avec les enfants. Voilà, moi, tu sais, je suis comme toute femme, j'ai tendance à beaucoup penser, oh, j'ai pas ci, oui, oh, j'ai pas ça, oh, j'ai pas ceci, oh, j'ai pas 15 000 abonnés sur Instagram, mince. Tu vois? Mais. Attends, j'ai pas de sponsors et de publicités. Mais hier, ton gamin a dansé pour toi. Il a vu arriver chez toi, il a dansé pour toi. Mais écris gratitude, dis merci. Hier, ton mari t'a fait un repas, ton petit déjeuner. Mais dis merci. Hier, t'as vu ton enfant se lever. Il s'est levé le matin, il s'est levé. Il a ouvert les yeux. Maintenant, ils vont même pas se lever. Ils vont plus ouvrir les yeux. Tu vois? Et quand je dis ça, on me dit oui, est-ce que la femme africaine, je dis attendez, attendez. Mais qui dit ça quoi, même? Hein? Je crois même que c'est nous qui sommes à même de penser. Voilà. Donc voilà pourquoi cette méthode. Mais quand tu dis ça aux gens, ça va vraiment me faire perdre le poids, ça. Hein? Les gens veulent des thés détox, ils veulent les thés détox, ils veulent les thés machin, ils veulent le smoothie qui va faire perdre du poids, ils veulent le truc machin. Mais merde, moi je suis pas magicienne. Ils veulent les électrodes pour dessiner. Mais moi je suis pas magicienne. Je suis pas magicienne. D'accord? D'accord? Mais toi, tu veux même pas. Bien, ça va arriver. Après, on va voir l'alimentation. Mais si tu veux même pas t'occuper de toi, tu veux pas t'occuper de ton corps. Mais tu veux que quoi? Le même, ton corps, il est même déboussolé. Hein? Tu manges pas. Après, tu manges. Après, tu manges pas. Ah non, la musique africaine, c'est trop dégueulasse. Hein? Et puis après, tu manges pas. Et là, les femmes ont tout essayé. Et du camp, le secret du poids, le machin, le truc. Mais tu te rends compte le traumatisme que c'est pour le corps. Le traumatisme que c'est pour le corps. Mais c'est pour faire du camp. Laisse-moi, je vais manger mon dolé, même je prends du poids, tant pis. Mais tu vas même pas prendre parce que tu vas le faire en pleine conscience. Exactement. En fait, tu ne grossis même pas quand tu... Exactement. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a un terme que tu as utilisé, que notre poids, il est enregistré dans... Donc, oui,
Notre Exactement. Hypothalamus, notre cerveau, notre poids de forme. Exactement. Exactement. Et donc, les traumatismes que les gens se font pour pouvoir, des fois, ressembler à un tel. Je ne dis pas que la perte de poids, parfois, n'est pas, elle est parfois nécessaire. Je n'ai pas dit qu'elle n'est pas nécessaire. Mais je dis qu'à un moment donné, il faut aussi arriver à comprendre qu'on est des êtres humains, qu'on ne vient pas de nulle part. Mais aussi, il faut commencer. Nos anciens ont laissé la voie, mais on ne veut pas. On veut pas, on veut pas. Alors, est-ce qu'elle souffre en silence? Ah, voilà. Mais c'est ça. Après, il y a ceux qui veulent perdre du poids, mais ils ne prennent pas le temps de se demander pourquoi et quand ils ont eu Exactement. Ce poids. Exactement. Qu'est-ce qui a fait que après, on ce n'est pas seulement la question des calories, déficit calorique, des machins. Ce n'est pas seulement qu'est-ce que je vais mettre, 30 calories, et je vais prendre quoi, et quel smoothie, et quel détox. Quel détox? Ton corps, il sait se détoxifier lui-même. Ouais. La meilleure détox, si tu veux faire la meilleure détox, c'est le jeûne. C'est tout point barré. C'est quoi détox? C'est que tout ce qu'on fait, c'est pour aider le corps à se détoxifier. Mais les gars font des études, hein. Les gars donnent des noms, des hormones. Cytochrome P450, conjugaison, je peux vous sortir plein de termes. Plein de termes. C'est ça. C'est un truc de malade. Ah, s'arracher les cheveux. L'aider pour que lui se détoxifie. Et un des trucs, des choses, c'est pas que ça, mais une des choses aussi, il y a le jeûne. Je n'en parle pas trop souvent, qui peut aider à détoxifier. Mais au-delà de ça, il n'y a pas que le jeûne, etc. Il y a le fait, qu'est-ce qui fait que l'alimentation aussi du continent peut paraître meilleure? Il y a beaucoup d'aliments bruts. Et on te dit que l'homme qui est né là-bas au continent jusqu'à aujourd'hui, il a très peu changé. Sur ces aliments-là qu'il mangeait, qu'on arrête de dire n'importe quoi, ces aliments-là qu'il mangeait, tu vois? C'est vrai. Donc, voilà, tu vois. L'homme africain a commencé à être obèse quand les McDo, tout ça, sont arrivés dans les grandes villes. Oui, c'est ça. Mais attends, Alice, c'est Queen qui dit « Prendre soin de son corps, c'est le secret, je peux en témoigner. » Voilà, même Alice, c'est Queen, elle peut en témoigner. Mais tu sais, aujourd'hui, pas que les McDo. Je dis, le problème, c'est quoi? On a les pâtes, les pizzas, pommes de terre. Alice peut en témoigner. Voilà, pâtisserie, je parle souvent des 5P. Hein, pâtisserie, pâtes, pizza, pommes de terre et pain. Voilà, les 5P. J'ai pas besoin des 5P. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, tout tourne autour du blé. Et j'en ai parlé au début de la live. Tout tourne le autour du blé raffiné. Voilà, du blé raffiné. Tu vois? Donc, même si tu enlèves le McDo, ça va être encore pareil. Ça va être pareil, tu vois? Donc, c'est ça que je veux dire. Il faut que, Alice, c'est ce qu'une parle en fait quand ça sale d'ailleurs. Il faut revenir, tu vois, revenir jusqu'à reprendre aussi ce genre de philosophie, s'intéresser à la philosophie des anciens, comment ils réfléchissaient, comment ils voyaient les choses. Arrêtons de diaboliser la façon, nos coutumes, nos trucs, et donc d'aller vers cela et de comprendre. C'est-à-dire que dans cette espèce de bonne intention de comprendre. De comprendre. Et tu sais, Amaka, quand j'ai été dans mon pays, moi je viens du Rwanda, j'ai été en 2018, j'ai été choquée du nombre de gens de mon âge, j'ai 38 ans, de jeunes de mon âge en surpoids et surtout qui font des maladies cardiovasculaires ou des diabètes et qui meurent jeunes en dessous de 45 ans et ils meurent comme ça. Comment on appelle ça? Crise cardiaque, des choses comme ça, dues au surpoids. Et il y a une fille, une collègue à moi, une ancienne collègue qui m'en a parlé, elle m'a dit c'est une catastrophe. On a de plus en plus obèses. Voilà, on ne dit pas qu'au continent. Déjà, je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai commencé à dire. Ils ont délaissé l'alimentation qu'on avait avant. Exactement. Ils disent qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, les gens veulent copier certaines personnes. Nous, on cherche à revenir vers ça, à revenir vers nos grands-mamans. On a perdu beaucoup de connaissances. On cherche à revenir. Et là, ils cherchent à retourner de l'autre côté. Et on sait que la deuxième cause de mortalité en Afrique, c'est les AVC. Les AVC. Maladie cardiovasculaire, les AVC. Je t'ai dit tout à l'heure que le problème du sel, le problème du cube magie, le problème du sel, c'est un vrai problème. Le sel et l'excès de sucre. En sachant que je t'ai dit tout à l'heure que nous étions plus sensibles au sel que les autres.
Voilà. Et que un des éléments, c'est bien sûr limiter le sel et augmenter le potassium. Le potassium régule la tension artérielle, régule la fonction, la fonction cardiaque. C'est même bon pour les poumons. Tu vois ce que je veux dire? Il y a maintenant des épidémies d'AVC, des épidémies de diabète, des épidémies de machin. On se pose la question pourquoi? Le problème, c'est quoi? Le problème, il est à la base, c'est le problème de l'immatériel. C'est la fuite de la philosophie des anciens qui fait qu'on se fuit. On ne veut plus être nous-mêmes. La richesse, c'est être nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on apporte au monde si on veut toujours copier le voisin? Il faut qu'on ait plus de force. Vous qui mangez à votre faim, vous avez de l'eau propre. Il faut retourner vers cette philosophie des anciens. Renseignez-vous, allez voir, renseignez-vous. Parce qu'une femme qui se lève et qui fait le secret du poids, le truc, le machin, du corps, j'ai pas la femme. J'ai pas la femme. Mais ça s'appelle de la maltraitance de ton corps. C'est clair, c'est sûr. Et quand on me dit, mets ta graisse, on me dit, ah, mais ça va perdre du poids, hein. Mais c'est quoi? Voilà. Pourquoi tu ne considères pas comme une petite? Il y a quelque chose qui se passe, on ne comprend pas. On va essayer de comprendre ce qui se passe. Et petit à petit, on va aller voir l'alimentation. On comprend ce qui se passe. Hein? Moi, des fois, si je ne fais pas ce temps-là, je ne suis pas bien dans la journée. Toute la journée, je ne suis pas bien. Au revoir, Priscille. Merci d'être venue. Voilà, ouais. Voilà, je ne suis pas bien. Fait. Je ne suis pas bien. Tu vois? Ouais. Donc, voilà. Donc, si je ne fais pas ça, je ne suis pas bien. Oui. Si je passe cette conscience-là, je ne suis pas bien. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour ceux qui écoutent. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, moi, je suis avec toi à 200%. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai commencé à m'intéresser à comment m'alimenter autrement en accord avec mon activité physique. Parce que moi, je cours parce que j'adore ça. Mais je trouvais que j'avais pas autant d'énergie que j'aimerais en avoir et que je sais que mon corps peut me donner, tu vois. J'avais un certain manque. Je me sentais lourde et tout. Donc, depuis que j'ai commencé à revoir mon alimentation, surtout en pleine conscience, notamment avec Audrey, s'alimenter en pleine conscience, eh ben, c'est un changement total. Quand tu dis ça, les gens vont croire que c'est la magie. Non, c'est pas la magie, c'est un processus. C'est ce que j'ai dit. Parlais de pleine conscience. Merci Alice. Par rapport au vitalisme et la philosophie des anciens africains, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. À partir du moment où vous comprenez que le minéral, le végétal et l'humain ont de l'énergie créatrice, vous commencez à les voir autrement. C'est ça. Donc, tu ne serais pas en train d'écrire un livre, non? Ce serait bien. Pas encore, peut-être dans pas longtemps, mais j'ai pas de choses à faire, peut-être pourquoi pas. Donc, alors, et dit quoi? Où est-ce qu'il faut? Oui, est-ce qu'il faut enlever les 5 P pour une alimentation plus saine? Il faut essayer de. Iraka, il faut essayer de les limiter. J'ai dit limiter. Où est-ce qu'on peut... que tu peux pas manger du pain tous les matins, sauf si c'est toi-même qui l'as fait avec tes farines. D'accord? Tu peux pas manger la pizza tous les jours. Tu peux pas baser ton alimentation juste sur les pâtes. C'est trop réducteur pour ton corps. C'est pas possible. Il n'y a pas assez de minéraux. En plus, ça a été raffiné. Les 5 P, c'est le pain, la pizza, les pommes de terre, les pâtisseries. Voilà. Donc, voilà, c'est ça. Et tu peux pas. L'alimentation, je vous dis, est basée quasiment exclusivement là-dessus. Limiter, ça veut dire peut-être une à deux fois dans la semaine. Le reste du temps, voilà. Vous pouvez trouver ces conseils. H. Carter, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook et je suis sur YouTube. Voilà. Et sinon, le live, il va rester 24 heures. Sur ma chaîne, je ne vais pas parler des sportifs parce que je ne m'adresse pas spécialement aux sportifs. Je m'adresse plus aux femmes, soit qui veulent perdre du poids, soit qui veulent améliorer leur alimentation. Je ne vais pas parler des sportifs. Là, j'ai vraiment fait des recherches pour vous, hein, pour le live et tout, parce qu'en plus, je suis en train de faire une formation, voilà, pour vous apporter le meilleur. Mais je ne m'adresse pas spécialement à la base aux sportifs. Mais après, on peut toujours trouver des infos. On va tout, tout mettre ensemble. Voilà, après, c'est le conseil de ce qu'on peut. Le live, il va rester 24 heures en ligne, donc jusqu'à demain 17 heures sur mon compte. Je ne sais pas si je peux partager sur ton compte. Sinon, je vais voir, je vais essayer de trouver un moyen de l'enregistrer. Ça va exister. Il faut regarder les tutos sur YouTube. Ah, pour enregistrer un live et mettre un story permanent, peut-être, des choses comme ça. Je sais pas, il faut regarder les tutos.
Ok, je vais regarder pour parce que c'est vraiment super intéressant. Et j'invite tous les gens qui se sont connectés à continuer à agir dans le sens dont tu nous parlais, la quête de sens. Écoutez les anciens, écoutez votre corps, n'est-ce pas? Manger des Ouais, aliments tout à fait. sains, Tout à fait. voilà, et Il équilibré. y a... Ils vont dire que c'est la sorcellerie. Alice is Queen. Moi, ne te pose plus cette question et fais ce que tu as à faire. Mais Voilà. Alice, un jour je l'inviterai, mais elle a jamais le temps. Elle peut en témoigner. Elle peut en témoigner, mais de fou. De la prise de conscience qui l'a amenée à où elle est maintenant et d'où elle vient, surtout. Toi, t'as dit que tu as perdu 25, c'est ça? Ouais. Mais Alice, elle veut, peut nous dire, mais je crois que c'était un peu plus, je pense. Mais c'était super intéressant, très, très intéressant. Je pense que ça a plu à tout le monde. Et merci à toi d'avoir accepté l'invitation, vraiment. Et Ouais. j'espère qu'on refera à l'occasion. Et Il y bon a pas de courage souci. pour ta Alice formation. Skin qui parle de vidéo recorder, je sais pas c'est quoi, si c'est un système Pour pour enregistrer. enregistrer les lives. Je vais regarder ça tout de suite après. Voilà. Et comme ça, Voilà. je te dirai si j'y arrive. Mais ça Donc, devrait le hey, faire. la famille, n'oubliez pas. Comme, On n'oubliez pas. commente, on partage. Partagez le live. Partagez le live. Likez et partagez le live. Ce n'est pas seulement Voilà. faire les commentaires là. Il faut partager dans la tête en se disant qu'on veut partager les bonnes informations qu'on a apprises aujourd'hui. C'est pas pour faire la pub, comme tu as dit, avoir. C'est vraiment pour vous dire si ça vous a fait du bien, si vous avez appris quelque chose. Voilà, partagez aux autres. Pensez aux autres à qui ça peut aider. Et donc, partagez le live, parlez-en. Et puis, abonnez-vous chez Amaka. Franchement, vous n'allez pas le regretter. Et s'il y a des amoureux du sport, ben, venez me rejoindre aussi. On Voilà, le continue sport, ensemble. c'est toi. Le sport d'endurance. Hein. Moi, je ne fais pas la gonflette, Ouais. mais je fais du sport d'endurance. Voilà. Alice Queen dit c'est une appli de capture d'écran de vidéo. Mais est-ce que ça peut tenir toute une heure et demie? C'est ça le problème. Ouais. Je vais Voilà. regarder un tuto sur YouTube. Ça OK. devrait le faire. Merci OK. beaucoup, Il Amaka. n'y a pas de Et quoi. merci à tout le monde. Merci Merci à tout et le monde d'avoir bonne suivi. soirée. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao, ciao.